Souhaiter la bienvenue à ces deux nouveaux ministres, Roxana Maracineanu et François de Rugy, rien que de très normal. Le faire devant les objectifs, c'est l'occasion pour Emmanuel Macron de passer un message publiquement, par exemple sur l'écologie. Les oreilles de Nicolas Hulot, avec sa vision tranchée des problèmes, ont peut-être sifflé ce matin. Il n'y a pas de solution simple. Il n'y a que des solutions communes, justement, à faire cheminer. Parce que ce sont des modes de vie qu'on change, de la recherche, de l'innovation et des transformations profondes. Remaniement, feuilleton du prélèvement à la source, la rentrée n'a pas été reposante pour l'exécutif. En parlant devant ses ministres ce matin, Emmanuel Macron présente aussi sa défense. Rien de ce que nous entreprenons depuis 15 mois n'est fait pour l'immédiat, ou sous la pression de l'immédiat. Rien n'est fait pour simplement donner plus d'argent à l'un tout de suite, ou régler les problèmes qui ne sont pas réglés parfois depuis des décennies de manière facile. C'est pour ça qu'il faut, dans ces périodes, tout à la fois tenir, expliquer et avec force mener ce combat. Autour